Humble serviteur. Monsieur? Je vais de ville en ville, je ne suis qu'un marchand, allant d'un pas tranquille, trottinant, clopinant. Pour vous, mesdemoiselles, voici de beaux colliers, des chapeaux, des ombrelles et des foulards brodés. Au fond de ma corbeille, un trésor est caché. Pour voir cette merveille, suivez-moi sans tarder. Venez, mesdemoiselles, je loge à quelques pas. Les choses les plus belles vous attendent chez moi. Allons dans la boutique de ce gentil marchand. Il est très sympathique, partons, il nous attend. Vidons notre escarcelle, nous avons de l'argent. Achetons des dentelles et même des diamants. Une chose m'inquiète, je crois que ce marchand me rappelle une tête que j'ai vue très souvent. Viens donc ces jours de fête, ce monsieur nous attend. Viens dans la maisonnette de ce gentil marchand. Monsieur, vous habitez loin? Ma boutique est à l'entrée du bois. C'est curieux, je n'ai jamais vu de boutique à l'entrée du bois. Oh oui, enfin je me suis trompé, c'est un peu plus loin. Alors vous venez? Un instant, je viens. Mais où va-t-elle? Je ne sais pas. Ah, la voilà. Oh, laissez-moi vous offrir ces quelques bonbons. Prenez, prenez. Avec le plus grand plaisir. Mais ils sont très bons. Prenez-en encore. Oh oui, oh, volontiers. Encore un? Merci. Oh, qu'est-ce que j'ai? Mes yeux se ferment. Oh, que j'ai sommeil. Tu dors? Naturellement. Je lui ai donné des bonbons qui font dormir. Pour quelle raison as-tu voulu l'endormir? Il paraissait bien brave, ce marchand ambulant. Parce que ce brave marchand, c'est Croque-Tout, le renard. Le renard? Il devait méditer un mauvais coup. Thank you.
Je vais me faire passer pour un jardinier. J'entrerai dans la basse-cour. Et là, je pourrai me ravitailler. Pardon, monsieur. Que faites-vous chez nous? Comment? Vous n'êtes pas au courant? Non. Au courant de quoi? Mais je suis chargé par la fermière de planter des fleurs dans votre basse-cour. Oh, quel bonheur! Des fleurs, je les adore. Moi, je préfère les pommes de terre. Mais comment pouvez-vous planter des fleurs avec un râteau? C'est juste. C'est une pioche qu'il vous faut. Oh, que je suis sot. Je me suis trompé. Oui, vous avez raison, mais je dois d'abord ratisser avant de planter. Et quelles fleurs allez-vous planter? Diable, je n'y connais rien. Que vais-je leur dire? Aimez-vous les pissenlits? Des pissenlits? Oui, et de la luzerne. De la luzerne? Et ensuite? Oui, j'ai de la chance. Je n'y connais rien. Je suis un jardinier qui plante, qui plante, qui plante. Je suis un jardinier qui plante toute la journée. Je plante du sainfoin et de l'herbe à lapin. Je plante du mouron et de petits oignons. Je plante ces malins, ce que j'ai sous la main. Des trèfles à quatre fleurs pour vous porter bonheur. Je suis un jardinier qui plante, qui plante, qui plante. Je suis un jardinier qui plante toute la journée. Dans le coin que voici, je sème du persil. Je mettrai tout autour de beaux topinambours. Et si cela vous plaît, trois ou quatre navets, je mettrai bien aussi un peu de céleri. Je suis un jardinier qui plante, qui plante, qui plante. Je suis un jardinier qui plante toute la journée. Je ne sais plus que vous proposer. Vous n'en avez pas assez? Oh, j'en ai assez. Mais ce ne sont pas des fleurs. Ah non, ce ne sont pas des fleurs. Oh, vous devez débuter dans le métier. Oui, oui, c'est ça, je débute. Je suis un jeune jardinier. Nous avons ici quelqu'un qui connaît bien les fleurs. Voulez-vous que je vous le présente? Ça doit être une volaille bien fraîche et bien grasse. Mais oui, avec joie. C'est très bien. Aglaé, va chercher Azor. Dis-lui de venir et qu'il n'oublie pas d'apporter une grande fourche. Azor, le chien de berger? Oui. Je viens de réfléchir. Le métier de jardinier ne me plaît plus du tout. Mais plus du tout. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, beau jardinier. Pourquoi ris-tu? Parce que ce jardinier, c'était Croque-Tout. Le renard? Oh, je ne l'aurais jamais reconnu. Oh, heureusement que je suis là. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Me voilà dans la place. Personne ne me reconnaîtra sous l'aspect d'un épouvantail. Voici le coq. Ne bougeons plus. Tiens, un épouvantail? Qu'est-ce qu'il fait ici? Bon, ce doit être une erreur. Il n'y a pas d'arbre fruitier dans ma basse-cour.
Je vais aller me renseigner. Ah! Au secours! Au secours! Ingénieur! Ingénieur! Et que vous arrive-t-il? Nous sommes en danger. En danger? Oh oui! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourvu que le coq ne s'approche pas de moi. C'est un épouvantail. Un épouvantail? Qu'est-ce que c'est? C'est un bonhomme en bois. À quoi sert-il? À effrayer les oiseaux afin qu'ils ne mangent pas les fruits des arbres. Mais il n'y a pas d'arbres fruitiers dans la basse-cour. C'est vrai. Il n'y a pas d'arbres dans ce poulailler. J'ai fait une erreur. Bon. Agénor, ne trouvez-vous pas cet épouvantail bien remuant? Bon. Compte sur moi. Je suis un époux, ventail à moineau. Et si jamais vous me trouvez nigaud, vous verrez tantôt que je suis plutôt un petit filon guettant son fricot. L'important surtout, c'est de rester là, sans bouger le cou, droit comme un soldat. Si l'on m'aperçoit, il faut que l'on croie que je suis en bois, comme un échalas. Mon déguisement est très convaincant. J'attends sans bouger d'ici, que vienne Aglaé ou bien Sidonie. Je les croquerai avec appétit. Après le banquet, j'irai dans mon lit. Ce moment si doux, bien trop lentement. Je suis un époux, montagne impatient, ouais. Aglaé, Sidonie, il faut que vous m'aidiez. La fermière m'a donné l'ordre de brûler cet épouvantail. Il est trop vieux et ne sert plus à rien. Les oiseaux le connaissent et ne le craignent plus. Ingénieur, passez une allumette. Ah, nous allons brûler cet affreux épouvantail. Quoi? Me brûler? Ah non! Je préfère mourir de faim plutôt que de rôtir comme un vulgaire poulet. Je me sauve. Oh non! Pitié! Au revoir, Croquetou! Je t'avais reconnu! Il reviendra sûrement. Soyons vigilants. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.